tuto de la semaine sur l'étoile de Tita. Alors cette semaine, j'ai décidé de vous parler de quatre différents supports de voyance. Comment s'en servir, leur spécificité à chacun, voilà, quels sont ceux qui sont le plus appropriés aux débutants, ceux qui nécessitent peut-être plus de pratique. Nous allons détailler tout ça pour ces quatre supports. Alors nos quatre supports, ce seront le tarot, hein, voilà. Alors là j'ai choisi un tarot de Marseille, mais vous pouvez utiliser n'importe quel tarot qui vous convient, hein, c'est pas forcément celui-là. Ensuite, j'ai choisi également de vous parler des oracles, qui sont différents du tarot, hein, on verra, voilà, mais qui resteront quand même dans le domaine des cartes. Ensuite, nous allons plutôt parler de la boule de cristal, qui est un support très étonnant, pour lequel on peut avoir effectivement beaucoup d'informations, et auxquelles on ne pense pas forcément toujours. Ensuite, nous parlerons de la bougie, voilà, qui est un support très facile à utiliser pour les débutants. Et enfin, nous parlerons du pendule et de la canalisation grâce à la radiesthésie. Donc, on utilisera deux pendules différents. Je vous expliquerai pourquoi, parce qu'en fait, voilà, on n'a pas la même implication avec les deux. Voilà. Donc, c'est parti. Nous allons commencer par parler de notre premier support de voyance. Donc notre premier support de voyance aujourd'hui, ce sera le tarot et l'oracle, parce que ce sont deux choses différentes, mais ça reste des cartes, hein. Donc j'avais envie de parler des cartes parce que je trouve que c'est d'abord un support de voyance qui est extrêmement connu, hein. Tout le monde qui pratique un minimum de voyance utilise généralement des cartes. Alors c'est très particulier les cartes parce qu'en fait il existe deux façons de tirer les cartes. Donc moi aujourd'hui, je vais plutôt vous parler de ma façon à moi. Après, bien sûr, il y a une autre façon que j'aborderai également. Alors, dans ma façon à moi de tirer les cartes, je n'utilise pas les cartes en fonction de l'image qui apparaît sur la carte que je retourne. Donc en principe, je fais un tirage en croix, hein, voyez, donc une carte à droite, une carte à gauche, une carte au-dessus, une carte en dessous et une carte au milieu. La carte qui se place sur le côté gauche sera la carte qui va m'indiquer ce qui est en ma faveur. C'est le tirage basique en fait, en étoile. La carte qui se trouvera sur le côté droit de mon tirage sera la carte qui indiquera les choses qui sont en ma défaveur. La carte qui se placera au-dessus sera la force majeure, donc ce qui va gouverner mon cycle de 28 jours. Et la carte du bas sera le déroulement de l'action qui va se produire pendant ces 28 jours. Au final, au milieu, nous aurons le résultat de notre tirage avec une indication sur ce que nous avons à suivre ou bien les précautions que nous devons prendre. Alors, je tiens à rappeler que le tirage, que n'importe quel acte de voyance ne doit pas être pris comme monnaie comptant, hein. Attention, la voyance, ce sont des informations qui vous sont fournies pour vous avertir de certains dangers, pour vous avertir que vous êtes effectivement sur la bonne voie ou pas. Et surtout, en fait, l'avenir n'est jamais fixé. C'est-à-dire que ce que les cartes vont vous dire aujourd'hui, si vous suivez le cycle sur lequel vous êtes, la voie sur laquelle vous êtes, effectivement, les choses vont se produire. Mais vous avez tout à fait la possibilité d'aller contre toutes ces choses et donc du coup de vous servir des cartes comme d'un avertissement pour que les choses ne se produisent pas. Voilà, vous avez votre libre arbitre et vous pouvez tout à fait, entre guillemets, changer votre avenir puisque c'est vous qui décidez finalement des choses qui vont se produire. Alors moi, les cartes, quand je les tire, donc je fais mon tirage en croix, hein, après il y a d'autres tirages qui sont intéressants aussi, mais celui-là, je trouve que c'est le plus abordable puisqu'il, voilà. Je ne vais pas forcément me servir de l'image que je trouve sur ma carte. Hein, là, voilà. Simplement, je vais m'imprégner de la carte en fermant les yeux même parfois. Hein, et je vais sentir son énergie et ça va me provoquer des flashs de voyance en fait. Hein, donc des images qui vont me permettre d'avoir des réponses sur les choses qui vont se produire.
Alors ça, c'est ma technique à moi. Hein. Voilà, je me dis, j'utilise en fait mon corps astral pour tirer les cartes, parce que pour moi, c'est la meilleure façon de procéder en ce qui me concerne. Par contre, lorsque vous débutez, vous pouvez également vous servir de la carte, de l'image qui se trouve sur la carte, et à ce moment-là, analyser chaque carte par rapport à son image, par rapport au message qu'elle produit. Par exemple, ici, nous avons le soleil avec un couple d'amoureux, donc concrètement, voilà, c'est une carte plutôt bénéfique qui va renforcer les liens amoureux, ou les liens d'amitié d'ailleurs, hein, c'est pas forcément les liens amoureux. Voilà, donc là, vous allez avoir cette possibilité d'interpréter la carte telle qu'elle est pour le message qu'elle vous donne. Mais je vous conseille quand même d'apprendre au fil du temps à vraiment ressentir la carte, parce que le message sera d'autant plus complet que vous aurez d'autant plus d'informations si vous êtes capable de capter vraiment le message de chaque carte pour ce qu'il est et pour l'information qu'il va donner de manière intuitive. Voilà en ce qui concerne le tarot. Après, nous avons effectivement d'autres jeux de cartes qui sont très intéressants à utiliser, qu'on appelle les oracles, ne sont pas exactement sur le même principe qu'un tarot ou qu'un jeu de cartes ordinaire. On sera plutôt sur un vrai message délivré par le jeu. Donc là, en l'occurrence, voilà, nous avons les cartes divinatoires des archanges de Dorine Vertu, hein, que j'aime beaucoup. Donc là, effectivement, vous allez même pouvoir tirer une seule carte, la carte du jour. Et cette carte du jour va vous indiquer, en fait, la marche à suivre ou la voie sur laquelle vous êtes pour votre journée. Vous pouvez éventuellement aussi faire des tirages en croix avec ce genre de cartes, ou bien faire des tirages du nombre de lettres du prénom, ou ce genre de choses. Ça vous donnera un message un peu plus complet. Mais toujours de la même manière, hein, je préconise toujours de vraiment sentir la carte et l'énergie qu'elle dégage. Ces cartes voilà, sont très puissantes finalement au niveau de l'énergie. Elles sont reliées à un égrégore qui est vraiment très puissant. Donc du coup, vous allez avoir aussi des messages de manière intuitive en plus de ce que les cartes vont vous dire dans leur message visuel. Voilà en ce qui concerne nos jeux de cartes, oracle et tarot. Alors, il n'y a pas de précaution particulière à prendre quand on tire les cartes, hein, hormis le fait d'allumer une bougie pour simplement faire monter l'énergie de la pièce et canaliser bien plus facilement ou capter bien plus facilement les informations. Vous pouvez éventuellement faire brûler de la lavande ou des choses comme ça qui favorisent la voyance et qui aident le corps astral à capter les informations. Ça peut être une bonne alternative. Voilà pour nos cartes. À présent, nous allons passer à la boule de cristal. Alors, c'est plus obscur, la boule de cristal. Certains se servent d'une boule de cristal, d'autres se servent d'un miroir en obsidienne noire. Hein, c'est le même principe. La boule de cristal, elle va plutôt être là pour comme je vous l'expliquais pour les cartes, provoquer des flashs de voyance. C'est un ustensile, en fait, qui va nous permettre d'entrer dans un état alpha ou un état méditatif profond en fait, et grâce à cet état alpha, notre corps astral est susceptible de capter des informations en vision astrale, voyance, ou en audition astrale, clairaudience. Donc la boule de cristal sera à utiliser par les personnes qui sont quand même relativement plus expérimentées, parce que elles ne vous donneront que les indications que vous allez pouvoir capter avec votre corps astral. Vous n'allez pas voir forcément des images à l'intérieur de la boule de cristal. Vous verrez des images qui vont apparaître, qui vont vous être envoyées en fait, hein, clairaudience et clairvoyance. Donc c'est un support qui nécessite vraiment un entraînement relativement long. On ne pratique pas la boule de cristal comme ça, de manière spontanée, hormis évidemment, si on a une capacité du corps astral très très ouverte, un troisième œil très ouvert, et que dans ce cas-là, on peut travailler directement dès l'enfance avec la boule de cristal. Dans ces cas-là, j'ai envie de dire, on n'a même pas besoin d'une boule de cristal, on capte simplement les informations sans support. Voilà pour la boule de cristal. Le troisième ustensile que nous allons pouvoir utiliser, ce sera le pendule. Alors, le pendule, généralement, on s'en sert en radiesthésie, hein, pour aller capter les énergies telluriques, les failles, les présences d'entités, enfin bon, tout ce qui a une résonance énergétique, finalement. On peut aussi s'en servir de support de voyance avec un petit protocole très simple.
Alors, le pendule en voyance, voilà, on va l'utiliser comme pour la radiesthésie. Hein, donc, du coup, on le place, voilà, pas trop long au niveau du fil, hein, voilà, relativement plat, court même. On lui donne un protocole, donc quel est mon oui? Alors, voilà, vous voyez que pour moi, le oui, ce sera le pendule qui tourne. Quel est mon non? Là, on est sur un pendule qui oscille, voilà. Si vous n'avez pas à avoir la réponse, votre pendule va planter, c'est-à-dire qu'il ne va pas bouger, ou bien il va faire des mouvements qui ne sont pas dans votre protocole. Donc dans ce cas-là, ça signifie que vous n'avez pas à avoir la réponse à votre question. Imaginons par exemple que vous demandez si vous allez avoir votre examen et que on vous demande de travailler encore beaucoup. Dans ce cas-là, on ne vous donnera pas la réponse pour éviter que vous soyez tenté de ne plus rien faire. Donc le pendule, voilà, ce sera vraiment du basique. Après, bien sûr, en voyance, le pendule peut être utilisé sur des planches, c'est-à-dire des planches de radiesthésie. Et là, dans ce cas-là, vous trouverez des planches sur Internet ou bien sur un livre qui est très très bien pour ça, qui s'appelle Le Pendule d'or, qui vous servira voilà, à avoir des réponses plus précises à vos questions et plus complètes surtout. Donc le pendule, c'est quelque chose qu'on peut utiliser très très facilement. Donc du coup, on peut l'avoir dans sa poche, enfin, tout le temps avec soi. Et lorsque l'on a une interrogation, on peut poser sa question et obtenir rapidement une réponse par oui ou par non. Alors j'ai envie de dire, attention aux addictions. Hein. Vous avez aussi le fait d'utiliser le pendule en voyance pour obtenir une réponse peut aussi vous amener finalement à ne plus écouter votre ressenti, même si le pendule est une extension de ce ressenti, vous avez vous tout seul la capacité de savoir ce qui est juste ou ce qui n'est pas juste pour vous, et donc du coup, vous n'avez pas toujours forcément besoin de votre pendule. Voilà pour le pendule. Alors, celui-là en particulier est un pendule témoin, donc voilà, un pendule qui s'ouvre et dans lequel on peut placer des choses. Hein. Alors, ce qui est intéressant, par exemple, alors, quand on s'en sert en radiesthésie, on va placer ce qu'on cherche, par exemple de l'eau si on cherche de l'eau. Par contre, quand on s'en sert en voyance, on peut y placer à l'intérieur peut-être une petite améthyste, un quartz, quelque chose en fait qui va amplifier le pouvoir de voyance. Donc celui-là, il est très intéressant pour ça. Après, il est un peu lourd, donc il est plutôt susceptible d'être utile en extérieur, mais c'est un pendule qui fonctionne bien. Le pendule, en fait, vous devez le choisir par affinité. Hein. On ne choisit pas un pendule. Parce qu'on vous l'a recommandé, c'est vraiment, vous allez observer, regarder le pendule, c'est celui qui va vous taper à l'œil en fait, hein. C'est un peu comme si ça vous appelait, c'est voilà, c'est celui-là, vous le savez. Donc faites confiance à votre intuition. Sinon, bien sûr, vous avez des petits pendules tout simples, hein, qui sont faciles à garder sur soi. C'est d'ailleurs très intéressant de garder son pendule sur soi dans la journée, parce qu'en fait, comme ça, il est toujours connecté à votre énergie et il répondra d'autant mieux. Alors vous savez que pour décharger qu'un pendule, bien sûr, comme tous les objets, peut se charger d'énergie négative. Quand ce pendule est chargé, en fait, il va répondre n'importe quoi. C'est-à-dire que vous allez avoir des réponses erronées, qui ne seront pas forcément justes. Donc on vérifie toujours si le pendule est chargé avant de s'en servir, en créant un champ de force, comme ça, avec sa main, plaçant le pendule au-dessus et en le laissant osciller. Donc là, en l'occurrence, il oscille vers le haut et vers l'extérieur, donc il n'est pas chargé. S'il oscillait vers l'intérieur, là je le force, et vers le bas, là il serait chargé. Il suffit donc de le taper légèrement et de vérifier de nouveau. Voilà, pour voir qu'il s'est déchargé. Le simple fait de le cogner dégage les énergies négatives. Bien sûr, les pendules, vous pouvez aussi les nettoyer en les plaçant dans le sel ou en les plaçant sous l'eau, surtout si ce sont des pendules en minéraux. Les seuls à ne pas se charger sont les pendules en bois. Voilà, en ce qui concerne les pendules. Le dernier support de voyance, qui est le support, j'ai envie de dire, idéal pour les débutants, parce que vraiment là, on est sans aucun risque et on est sur quelque chose qui est facile, ça sera un support qui vous permet de communiquer avec votre guide et c'est la bougie. Alors la bougie, hein, comme vous le savez, voilà, c'est assez facile, oui, bon, il vous faudra quand même une bougie relativement grosse. Vous allez, comme pour le pendule, lui indiquer un protocole, donc si la flamme oscille, on sera dans le oui, par exemple. Si la flamme monte, on sera dans le non. Et s'il n'y a pas de réponse, la flamme restera fixe. Donc là, ça vous permet de communiquer
Donc avec votre guide, hein, on précisait bien, en sécurité puisque la lumière éloigne les ténèbres. Et donc du coup, il n'y a pas de risque de mauvaises rencontres ou de choses comme ça. Ça reste aussi un outil très pratique pour communiquer par exemple avec une âme égarée ou avec des choses comme ça qui pourront vous donner des indications en fonction de ce qu'elles ont à dire pour pouvoir être libérées. Voilà en ce qui concerne notre tuto sur les quatre principaux supports de voyance pour aujourd'hui. J'espère que ce tuto vous aura apporté des réponses. N'hésitez pas à me poser vos questions sur Facebook ou sur le formulaire de contact du site. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto. À bientôt.